Lancé en 2021, le plan stratégique Horizon d'Or 2025 de la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire passe à l'étape de l'évaluation. À mi-parcours de sa mise en œuvre, l'évaluation du plan stratégique 2021-2025 a fait le point et présenté les perspectives en cours. Le premier axe, c'est l'intensification de l'exploration. Le deuxième axe, c'est la mise en place d'une politique d'exploitation des mines semi-industrielles. Le troisième axe, c'est l'axe de la transformation des produits miniers. Le quatrième, c'est valoriser les potentialités de la Sodemie. Cinquième, c'est optimiser le management de la Sodemie. Et le sixième, c'est assurer les services publics. La mise en œuvre de ce plan stratégique vise la création de valeur, le renforcement de capacités du capital humain et l'amélioration du dialogue social afin de pérenniser la Sodemie. 88% de réalisation est en cours de réalisation. Nous pensons que c'est une performance, mais malgré ça, nous avons aussi conscience qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et qu'il est bien de mettre à plat. L'un des objectifs de cet atelier est la proposition d'outils d'amélioration du financement et de la gouvernance de la société d'État. Il y a un certain nombre d'actions qui vont être certainement révisées au terme donc, de cet atelier, qui vont être révisées pour tenir compte donc, de l'environnement actuel. Pour ne pas qu'à la fin de ce plan stratégique, la mise en œuvre de ce plan stratégique, on soit en train de justifier donc, la non-réalisation de certaines actions. Il faut que le secteur minier puisse être un secteur qui accompagne donc, toute la croissance économique du pays. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Créée en 1962, la Sodemie doit œuvrer en vue de l'atteinte des objectifs nationaux du secteur minier, qui représente 4% du PIB du pays. Selon ses acteurs, ce plan stratégique a déjà réalisé 88% de ses actions et compte tenir l'ensemble de ses objectifs fixés pour l'année 2025.